1995, le PSG fait vibrer la France en Ligue des Champions. Les buts fantastiques de Georges Weah, le match de l'année contre Barcelone. Pour le public et pour les hommes de Fernandez, une aventure inoubliable. Canal Plus Vidéo et TF1 Vidéo présentent Euro PSG, le parcours d'un grand d'Europe. Europe 1 présente 100 ans de stars à l'OM. Les joueurs d'hier et d'aujourd'hui qui ont fait vibrer le stade Vélodrome. 100 ans de stars à l'OM, une cassette vidéo de légende. Hypercut Vidéo présente les dieux de la boxe. Toutes catégories confondues, qui est le plus grand boxeur de tous les temps? Ali, Robinson, Duran, Joe Louis ou Mike Tyson? Hypercut Vidéo, la collection que la boxe attendait. Les dieux de la boxe pour connaître enfin la décision finale. Jack Dempsey, George Carpenter, Joe Louis, Hockey Marchand. Hypercut Vidéo présente les rois du ring, la légende des poids lourds comme on ne l'a jamais montré. La plupart des vidéocassettes de football vous montrent les meilleurs moments des Coupes du Monde. Scènes d'allégresse à gogo, passes inoubliables, buts d'anthologie et joie du vainqueur à la remise du trophée suprême. Mais la Coupe du Monde, Simon, ce n'est pas que cela. En effet, combien de ratés exceptionnels, d'actions stupides, de gestes catastrophiques. Agrémente l'ordinaire de nos soirées mondialistiques de manière souvent fort surprenante. C'est à ce festival de maladresse que vous êtes aujourd'hui conviés. Et ils reviennent. Putain, ça va faire mal. Ils vont se comporter comme des ânes. Madame, mademoiselle, monsieur, dans la série c'est plus dur de la mettre dehors que de la mettre au fond des filets, voici par ordre d'entrée en scène le grand Rudy Voleur. Oh, grosse malheur. Grosse malheur. Et dites-nous, cher Bruno Conti, comment le traduiriez-vous en italien? Porca miseria, mamma mia! Non, sur la lentille, je crois que c'est clair. Il y a trois solutions, la bonne, la mauvaise et la pire. Le saint en retrait, Thierry, c'est l'arme absolue. Et d'ailleurs, Diego Maradona le sait bien. Ah ouais, mais Valdano, lui, l'a pas compris. Absolument, c'est une parodie de football. Eh bien, ta caramba. Mes très chers frères, souvenez-vous de la parole de Dieu qui est le coach de tous les hommes. Si tu n'y arrives pas tout seul, mets-y-toi à plusieurs qui t'a loupé. Autant y aller franchement.
Bonsoir, bienvenue ce soir à Toiles Étoiles pour un match Angleterre-Brésil inoubliable. Une défense de fer, une attaque de feu et une adresse de... Fuck. This is Albert. Hé, hey, la passe. Hé, hey, tiens, regarde, là, celle-là. Et celle-là, là, tu sais le faire? Attends, non, attends, c'est pas fini, je la récupère, je contrôle, je pose le pied dessus et je la mets en touche. T'es con? Fous-la carrément à côté, c'est tellement plus marrant. T'as vu? T'as maté la blonde là-haut. Je te la montre, pas celle-là, celle-là. Comme elle est bonne. Et tout de suite, chers auditeurs, on se retrouve dans un instant après quelques maladresses. Exportateur mondial de vodka, la Pologne est d'abord et avant tout une grande nation de football. Mais boire ou marquer, il faut choisir. Ah ben moi j'ai choisi, et puis de toute façon, moi je visais là-bas. D'accord, si tu t'y mets, et moi y a pas de raison qu'on s'y mette pas aussi. Tiens, et ça, tu sais le faire? Ah d'accord. Là, t'es le plus fort. Et bon, Boniek, c'est lui le meilleur. Zbigniew Boniek, il a inspiré les plus grands avant-centres de la planète. 1986, France-Canada, Jean-Pierre Papin. T'as un autre, et comment je l'ai pas mis à côté, hein? Et pour nos abonnés, la même action, vue sous un autre angle grâce à la caméra isolée. Mais qu'est-ce que c'est que ce Binks? C'est Papin, Papin, toujours Papin. Vous êtes viré, mon vieux, ok? À présent, fini de rire. France, Coupe du Monde 86, sans doute la meilleure équipe de la planète. J'irai sous Platini pour tirer ce coup franc. Il y a une place en finale à la clé. Et Bossis, comme en 82, est toujours contre l'Allemagne, loupe le coche. Désolé les gars, mais les finales, moi, c'est pas mon truc. Je préfère le Scrabble. Et connaissance du monde, retrouvons à présent nos amis polonais. Et si je veux, je me couche par terre, et si je veux, je la mets de la tête. Et voilà, t'as pas vu? Remets-nous en une au ralenti. Tu vois, le foot, c'est super, mais sans gardien, pour moi, c'est trop facile. Tu vois, ça m'intéresse vraiment, quoi, tu vois. À présent, un petit conseil à l'usage des fainéants et des jeunes recrues. Faut jamais se décourager. Si ça rentre pas à la grenade, allez-y au mortier. Ou si vous préférez... Si ça veut pas rentrer par la porte, essaye par la fenêtre. Scénario identique, Italie-France 1978, et au passage, merci Marius pour cette toile aux conséquences lamentables. Pour finir, le Brésil, encore et toujours face à la Pologne. Souvenir d'une bataille singulièrement laborieuse.
Ah non, attends, ils sont bons ces Brésiliens. Et je te parle pas des Brésiliennes, électriques. This game. I'm a member of an ape-like race in the final days of the 20th century. When we don't win, I go insane. Of gravity, sell me a dummy on the way. Good ball around the wall, make a play with a touch of clarity. I get such pleasure from this game. Go, 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 go. Sacrée dépression sur la grande coupe du monde de 1974. Les organisateurs ouest-allemands, dont on saluera au passage l'esprit d'initiative et d'organisation bien connu, avaient eu, pour décider des heures de match, recours au service des statistiques de la météorologie nationale locale, avec l'heureux résultat que nous pouvons admirer ici. Curieusement, en 1978, les Argentins n'ont pas repris l'idée. Tant mieux les gars, tant mieux. Allez, bon vent. Angleterre-Brésil, lors de la Coupe du Monde du Chili en 1962, des images intolérables, à la limite du supportable, qui n'ont pas manqué d'alerter notre reporter. Oui Patrick, je m'insurge contre ces traitements ignobles qui chaque jour de la Coupe du Monde se pratiquent sur tous les terrains de football. J'en ai parlé au pape, au président de la République et même à Michel Platini. Regarde comme c'est drôle, hein, Brigitte, il y a un chien sur le terrain. Je vous le demande, il est temps que nos amis à quatre pattes puissent s'amuser aussi avec ce gros ballon. Est-ce que ne sont-ils donc pas des êtres humains comme tout le monde ? Ah ben, c'est une action magnifique. Il a dribblé son adversaire et il a fait semblant de frapper. Non, des actions pareilles, hein, c'est à se mettre à genoux devant. Gottferdeck. Willy. Tiens, celui-là, tu le mets au congélateur. On le fera cuire avec des cèpes. Jimmy Greaves, already the hero of this game. But the dog, obviously not like being sent off the field so early. Alors, ce soir, sur notre chaîne, c'est le grand rendez-vous que vous attendiez tous, la remise des Oscars de la grande arnaque et du pipeau. Tous les billets se sont arrachés, les plus grandes stars du football ont répondu présent. C'est formidable, je crois qu'il faut les remercier. Pour le trophée du meilleur plongeur, notre grand favori sera naturellement Jürgen Klinsmann. Formidable, Guy, c'est Jürgen Klinsmann, bourré de talent, regardez, il est magnifique. Klinsmann, souvent imité, jamais égalé, il est formidable. Thank you.
impossible de passer sous silence notre catégorie Les Rois du Cinoche. C'est un régal. On y retrouve tous les plus grands, formés à l'école de la tragédie italienne, revisités par les meilleurs réalisateurs d'Hollywood. Ils se roulent par terre, ils en rajoutent, ils sont superbes dans leur petit champ. Oh, qu'est-ce que c'est bien, hein? Et ce grand Polonais, là, il est beau, il est blond, il est moustachu, il sent le sable, hein? Il s'appelle Andrew Zarmak, il est superbe, hein? Oh, t'as regardé, il est superbe, son grand maillot rouge. Non, il est vraiment au bord du chaos, c'est quand même un grand artiste, hein? Allez, debout, mon gamin. Voilà, c'est bien. Et que dire alors du merveilleux argentin La Rosa avec deux R. Regardez cette sensibilité. Étonnant, non? 10 secondes à peine pour encaisser un coup. Il est super, tu es beau. Mais à ce jeu, le plus grand, leur maître à tous, c'est tout de même... Le Gallois évite, au nom prédestiné, plus beau qu'Audrey Hepburn et digne de Rita Hayworth. Admirez la mise en scène. Tu n'as pas volé ton Oscar. Tiens, mon grand. Osons, osons la grande kermesse du truandage à fond la caisse dans la surface de réparation. Osons! Avec les meilleurs spécialistes du genre. Joseph Barnos. Les deux duettistes hongrois. Kovacs et Esterhazy. Sans oublier le chilien, Patricio Yanez. Merci les filles, merci. Et pour finir, Pierre Lidbarski, un orfèvre. Alors, pour le vainqueur du grand trophée toute catégorie, bien, nous avons choisi Patricio Yanez pour l'ensemble de son œuvre. Il est formidable, regardez. Il l'a bien mérité, il est formidable, bourré de talent, il est magnifique. Merci à SFP, merci au terrain, merci au ballon aussi. Merci. Tumbled away off the park. Yanez, neatly done. Then he looks for the penalty, and this time he's got it. Again, he dives over. There's Yanez. If you could get him to do it off springboards, I think he could be world champion. Alors maintenant, c'est l'histoire d'un mec, il a deux pieds gauches, le mec, tu vois. Et en plus, il a un pote. C'est le même, mais en pire. Oui. Voilà. C'est comme en pire. Ah ben, pire que pire, tu vois pire. Eh ben, c'est encore pire. Tu vois, plus pire que pire. Regarde. Ah bah, je savais pas que les joueurs, ça broutait, moi. Ouais, et ça bouffe, hein. Écoutez, vous trouvez ça drôle, vous? Si c'est comme ça, je m'en vais, moi, tiens. Et maintenant, une page de pub en pleine tête. And Georgi should come off worse from a collision with one of the advertising boards. À moi, les paparazzi, j'ai pas pu les supporter. Tu sais ce que je leur fais aux paparazzi? Je leur rentre dedans. Là, c'était juste pour montrer. La prochaine fois, je mettrai une coquille. Et là, c'est moi au ralenti. Thank you.
Sur ce dégagement, adressons un amical clin d'œil à notre ami Daniel Pasarella, champion du monde en 78 et depuis entraîneur de l'équipe d'Argentine. Comme entraîneur, Pasarella n'aime pas les joueurs à cheveux longs. À l'époque où il était joueur, c'était plutôt les passes longues qui semblaient lui poser problème. Merci Daniel, merci. Et court en anglais, ça se dit comment ? Ça se dit short. Et en argentin ? Bon petit gars, je vais te dire une bonne chose. Dans la vie, il y a ceux qui savent et puis il y a ceux qui savent pas. T'as les génies et puis t'as les tocards. D'un côté, les princes du dribble, les ténors du contre-pied. Des gars qui te bousillent le moral d'une défense en deux coups de cuillère à peau. Qu'est-ce que je disais ? Le Johan Cruyff, c'était une épée, un cador. Je suis objectif, on en causera encore dans 100 piges. Ouais, mais t'as aussi les caves du tricot. Celui-là, j'ai déjà tout oublié, même son état civil. Et le Jairzinho ? Alors là, pardon, l'homme de Rio avait l'esprit vengeur et le pied séculier. La puissance d'un croiseur, des flingues de concours, et crois-moi qu'il savait s'en servir. Moi, j'appelle ça un monsieur. Les frangines se découvraient rien qu'en entendant son blague. C'est tout dit. En revanche, le Panzer, c'était peut-être du solide, mais côté rapidement, merci, tu repasseras. À cette époque, excuse-moi, supporter brésilien, il en avait pour son pèse. Todo Aldo, t'as connu ? Trois dribbles enchaînés. Pardon, monsieur, bonjour, madame, et la passe millimétrée pour finir. Rien de ça. Mais non, là, j'y scute pas. Par contre, quand un besogneux se la ramène du fin fond des Carpates et vient nous jouer les seigneurs du ballon, alors là, si tu m'as pensé, il nous les brise menu. Des images bouleversantes ce soir que nous avons tout de même décidé de vous montrer. Le but contre son camp, c'est le cauchemar du footballeur. Alors, sans voyeurisme aucun, ni volonté de nuire bien sûr, et encore moins de choquer, arrêtons-nous un instant sur ces images de détresse et d'abandon. De Madame le Prieur, Dagoncourt-Tinville, 1982, ces images Angleterre-Tchécoslovaquie, nos amis d'Outre-Manche n'y arrivaient pas tout seuls, heureusement, Joseph Barmos est là. Non, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, un petit peu de silence, ça peut arriver, s'il vous plaît, on se calme. Magnifique action en présence de la grande équipe d'Allemagne de l'Est en 74 contre l'impérialisme australien. Et là, pour la première fois, eh ben, on voit le capitalisme qui cède globalement aux travailleurs dans le filet. Et surtout la grande solidarité des joueurs australiens qui viennent tous réconforter leurs partenaires malheureux. Oh chérie, chérie, ça rentre, ça rentre pas, ça rentre, ça rentre pas. Oui, non, oui. Arrive, arrive, arrive. La Hollande, c'est l'autre pays du fromage. Et chacun sait que le meilleur de le fromage, c'est les trous. Oh merci mon petit. Rien de dramatique toutefois, la Hollande l'emporte ce jour-là 4 buts à 1 contre les Bulgares malgré ce joli but de Rudi Kroll. Mais décidément, le Batav a parfois des faiblesses, les mêmes 4 ans plus tard en Argentine face à l'Italie. Quand même, à le rappeler Thierry, notre maître à tous, ça arrive même au meilleur. Et pour faire bonne mesure, il blesse aussi son propre gardien dans la foulée. Ah bah absolument, hein. C'est ce qu'on appelle le football total. Hein. Manquer la classe, un début comme ça, moi jamais tous les dimanches. Hein. Ah, je suis fatigué moi en ce moment, je sais pas ce que j'ai, un vrai coup de pompe. Oui c'est ça, allez, c'est ça, rentre chez toi vieux, allez, laisse-le le faire. Prenez un attaquant occidental bien connu de nos services secrets. Placez-le dans une position propice à l'exploit individuel.
La joie de l'italien exubérant fait plaisir à voir. C'est l'effet magique d'une spécialité coréenne bien de chez nous, le but contre son camp de la main. L'un des plus singuliers restera tout de même celui du bulgare Ivan Voutsov lors de la Coupe du Monde 66 en Angleterre. Une tête superbe qui trompe impeccablement son gardien Heidenhoff qui pourtant ne lui avait rien fait. Oh tiens pour toi, la prochaine fois tu frimeras moins. Au match suivant, contre les Hongrois d'Albert et Farkas, nouvelle bévue d'un autre défenseur bulgare nommé Davidov. Décidément, cette année-là, la Bulgarie possédait bel et bien une défense de fer. Oui, mais le fer, il faut le faire. Je m'excuse, mais c'est ce qu'on appelle nous autres l'amitié entre les peuples. Parfois, les choses sont un peu plus confuses. Ça s'est passé dans la nuit du 6 au 7. Ni vu, ni connu. Pas de témoin. J'étais avec ma femme. Vous avez vu quelque chose, hein, monsieur? Hein? Ah non, moi j'étais là-bas. Bon, allez, ça va pour cette fois, je m'accorde. Ah, ah, vous êtes con, mais vous auriez dû venir. Ah, on s'est marré, la Jesus. Ah, t'aurais vu la gueule de la bavure, t'as vu. Moi, je vais te dire, ça m'a passé envie de baver. Ouais, vas-y, j'ai rien fait, c'est l'autre, monsieur. C'est toujours sur moi que ça tombe. On t'en met en finale contre les babouins. Oh, souvent le défenseur met la main à la pote, mais pourquoi faire? Ça rentre tout seul, comme dans du beurre. Je te reconnais, t'es pas Jimi Hendrix, hein? Bon là, t'es gentil, mais là j'ai un coup fort à tirer, on va peut-être s'arrêter là. Hein. À toi Marcel, à toi. Et Marcel, et bon Marcel, où tu vas avec ton ballon là-haut? Ah, moi, c'est pas Marcel, mon petit nom, c'est Karl-Heinz Rummenigge. La prochaine fois, tu t'en souviendras. La Coupe du Monde 86 au Mexique, le Danemark, que des pointures, Laudrup, Simonsen, Larsen, Rasmussen, Arnesen, Bertelsen, Andersen, Jesper Olsen. Jesper Olsen, non. Oh, ben ils ont bonne mine, tes canards. Hein? Ce jour-là, Butra Gagnon en met 4 au fond, à commencer par celui-ci. Emilio, surnommé le Vautour de Madrid, bat un peu comme à l'entraînement. Décidément, c'est bien la grande crise dans l'Empire soviétique. Un rien suffit désormais à mettre le feu aux poudres et à déstabiliser le complexe militaro-industriel russe. Une faute évidente, un coup franc pas sifflé, c'est la panique et tout un arsenal défensif qui se retrouve débordé, comme en témoignent ces images. Pour Georges Bourouchaga, c'est du caviar. Et pour l'ordre de Lénine, le soviétique Kouznetsov devra encore patienter. Perestroïka, grosse catastrophe. À mon époque, on finissait au coulage pour moins que ça. Tac, tac, tagada, c'est moi. La Coupe du Monde 86 au Mexique. Tu te souviens? L'Espagne, Zubizarreta, le plus grand gardien du monde. Une terreur, un donjon, une forteresse. J'ai dit, la forteresse de mon grand-père est plus petite que le jardin de mon beau-frère. Enfin quoi, merde! Une bonne petite mésentente à l'ancienne entre un défenseur et son gardien. C'est quand même un régal pour les attaquants, non? Surtout qu'il y a des petits artisans qui se donnent du mal tous les dimanches sur des terrains de province. Pourquoi qu'on s'en priverait sous prétexte que c'est la Coupe du Monde? Merde! Le pire, c'est que la gaffe, on la sent souvent venir de loin. Derrière toi. Derrière toi. Match de barrage en 58, Galles-Hongrie. Il n'en fallait pas plus pour passer au travers d'un fastidieux quart de finale de Coupe du Monde.
comme quoi le nature est craint de faire un calcul qui va pas se rendre. Mais c'est pas vrai. Dites-moi, Lucienne, ce serait-il pas nos Bulgares de 66 et leur fameuse défense de fer? Oh, mais ça va bien, oui, hein? Faut pas exagérer avec ça. Oh! Une seule seconde de relâchement et brutalement, voilà tout un rêve qui s'écroule. Alors, dites-moi, Michel Chevalet, une injustice, comment ça marche? Eh bien, c'est très simple. Prenez une prolongation de 2 fois 15 minutes et une ligne tracée à la craie le long du terrain. Le ballon passe de l'autre côté. L'arbitre devrait siffler. Mais non, son sifflet est en panne. Du coup, Cubillé en profite et ressort la balle. La donne à Esperango. Le ballon rentre dans le filet. Cela s'appelle un but et l'Uruguay est qualifié. Je vous en supplie. À l'aube de l'hiver, ne gardez pas tout pour vous. Prenez exemple sur la générosité des défenseurs écossais. Je vous en conjure. Donnez, 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 donnez-moi, donnez, donnez, Dieu vous le rendra. Je vous rends tout. Alors, si vous le permettez, je vous dirai deux choses. La première, c'est qu'il faut, je crois, entendre le message qui vient d'être lancé. La deuxième, c'est que j'ai trouvé un autre exemple, toujours tiré du Mondial 82. Il tente à prouver que la générosité écossaise, c'est comme celle de l'Auvergnat, ce n'est pas un vain mot. Il arrive que la générosité du défenseur soit telle qu'on se demande pourquoi il ne l'a pas mise lui-même au fond des filets. Souvenez-vous, c'était en 1970, un match classique et un sacré demi-finale de Coupe du Monde entre l'Italie et l'Allemagne. Néanmoins, le catenaccio italien a lui-même ses faiblesses. Et face à Gerd Müller, dit le bombardier, il va passer une sacrée soirée. C'est une parodie de justice, mais dans un match, les conneries, hein, ça va, ça vient. Il faut juste pas laisser passer les bonnes. En tout cas, dans les genres apprêtés pour un rendu, l'Allemand, il est pas le mal non plus. Au chapitre « Une défense particulièrement absente », il sera tout de même difficile de faire mieux que l'URSS en 1973, lors d'un match d'appui contre le Chili du général Pinochet, match boycotté par les soviétiques. Ah, mon petit Jean-Mimi, décidément ce soir, il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. Tout à fait, Thierry, mais je me demande si sur cette action, le joueur chilien n'est pas un tout petit peu hors-jeu. Quoi qu'il en soit, l'arbitre valide ce but à la plus grande joie des 40 000 spectateurs présents dans le stade. Et le pire, c'est que c'est vrai. Cela dit, même en chair et en os, sur le terrain, le football soviétique nous a parfois offert des actions déconcertantes. Ah, le russe est parfois bien décontracté. Dimitri, mon chéri, remonte faire tes devoirs. Bon, c'est sûr, en minime, je crois qu'une faute de ce calibre enverrait son auteur tout droit au vestiaire, mais bon, ici nous sommes en Coupe du Monde et à partir de là, je crois que c'est à nous de constater que le ballon va finir tout droit au fond des filets. Ah, il faut dire aussi que sur ce corner, on plaît en technico-tactique et malgré le grain en Yachine, je crois qu'on est coupable car on n'a pas bien vu nos fondamentaux. Franchement, il faudra refaire du tableau noir, car là, c'était plus l'armée rouge, mais en quelque sorte, l'armée du salut. Et pour nos merveilleux amis colombiens qui n'en demandaient pas tant, c'est Noël tous les jours, comme dans mon émission. Vous venez quand vous voulez, vous êtes ici, chez vous.
ceci nous conduit naturellement à notre séquence... Les patoires sont sortis. Plus connu sous le nom de... Regardez les gars, il est là de ma gauche. Ou si vous préférez... Dites donc, on termine les gants en peau de pêche. Ou encore... Ah, décidément, c'est pas sa journée. Dans le football, c'est bien connu. Les gardiens de but sont des hommes étranges. Des types spéciaux avec des marottes, des gars bizarres. Bizarre, bizarre. Pourquoi bizarre? Concours du jeune footballeur. Candidat suivant, s'il vous plaît, Simone. Le candidat suivant est une candidate. Ah non, c'est Jean-Marie Pfaff. Bonsoir. Depuis l'Antiquité, l'Amérique du Sud nous a fourni son lot de gardiens originaux. Excentriques. Mais dans ce palmarès, un homme, mesdames, messieurs, oui, un homme, a surpassé tous les autres. Il était péruvien, il s'appelait Quiroga. C'était un type exubérant. À faire rigoler tout un stade. Et les journalistes en prime, tous peut-être, sauf ses propres défenseurs. Et des fois, il se changeait en catastrophe, en rugbyman, mesdames, messieurs. Regardez, oh là là, et l'arbitre, eh bien l'arbitre, il n'aimait pas ça. Carton. Attends, allume le micro, là, tapette, là. Ah, parce que je voulais dire, c'est que... À part à amuser la galerie, là, ton Quiroga, question gardien, c'était un peintre. Ah bah ouais, galerie, peintre, humour. Merci, merci jeune. Moi, mon cher monsieur, j'ai fait mon apprentissage avec les plus grands du métier. J'ai débuté chez Luis Cubino. Hé, oh, pardon, vieux, mais ton cube en haut, là, hein? Eh ben, c'est pas le Pérou. Oh. Laissez-moi faire, je suis le gardien, je vais l'attraper. Poussez-vous, laissez-moi faire. Je vais l'attraper. Ah! Ah, je l'ai loupé, je l'ai raté, puis c'est de votre faute à vous, les autres qui rigolent. Paf, voir ce que je fais de votre ballon, je prends le ballon et paf, les grands aigus, on n'en parle plus. Quand je dansais la samba, perdu dans la jungle amazone, côté gardien, le Brésil se chopait souvent la zone. Va le dire, Pérez, un vrai cauchemar. De Flamengo à Botafogo, en passant par Bahia. L'Argentin, il a le sang chaud. Qui nous démentira, ce n'est pas Pumpido. Il vaut mieux ça pour lui qu'une jambe cassée. Hélas, au prochain tour, ça va lui arriver. Les plus grands artistes ont parfois connu des moments d'absence, hein. Lev Yashin, surnommé l'araignée noire. Quelle jolie toile! Échroif, le gardien tchèque en 62. Il avait épaté tout le microcosme et fait un tournoi superbe de rigueur et de détermination, au moins jusqu'à la finale.
Tu connais la merveilleuse recette de la boulette à l'anglaise? C'est facile, tu prends une bonne passe en retrait mal assurée. Tu refuses obstinément de regarder derrière toi. Ensuite, tu écartes les jambes pour faciliter le petit pont de ton adversaire. Et ensuite, il n'y a plus rien à faire. Shilton a 40 ans. Une faute de junior en plein match de classement pour la troisième place, voilà qui est tout bonnement impardonnable. Il faut jeter tout cela à la poubelle, n'est-ce pas? Et fustiger comme il convient la sénilité précoce et ce laxisme intolérable des vieux croutons sur le retour. Apprenez, mon jeune ami, que les plus grands spécialistes ont parfois connu des faiblesses. Souvenez-vous, Gordon Banks, il était le plus grand gardien du monde. Ainsi, même lorsqu'on est le meilleur, on peut parfois se planter. Et je sais de quoi je parle. Et si vous me le permettez, monsieur le député maire du 15e arrondissement de la ville de Paris, ce n'est certes pas l'italien Albertosi qui pourrait vous démentir. Va à la queue. Au passage, et au ralenti, on peut admirer l'art de bien réparer sa faute. Un tel qu'on ne peut plus sur la ligne. Pour sauver la France, il faut parfois payer de sa personne. Un sauvetage fabuleux, mais plus dur sera la chute. Et les malheureux Jean-Paul Bertrand de Man devront quitter le terrain. Mais ils éviteront heureusement la fracture sociale. En pleine tête. En football aussi, ça fait du bien là où ça fait mal. Finalement, la grande tradition sud-américaine du gardien fantasque n'est pas prête de s'arrêter. Elle aura même connu son apogée avec l'inénarrable, mesdames, messieurs, colombien René Higuita dans les phrases qui gaillèrent le mondial 1990, qui sans lui eût été finalement plutôt tristounet. The goalkeeper's way off his line. Brilliant stuff. Beats his man, dribbles it away. That was Panchev he beat. Hélas, à force de vouloir trop en faire, on finit inévitablement par en faire trop. C'est bien joli de vouloir épater la galerie, mais vient un jour l'heure du retour du bâton. Et face à Roger Milla, ça ne pardonne pas. Ici Radio Londres, et là l'ami Roger Milla l'a mis là. Je répète, et là l'ami Roger Milla l'a mis là. Roger Milla makes this World Cup belong to Cameroon. Argentine, Cameroun. À la une, à la deux, à la trois. Oh, c'est sûr, les grandes valeurs du sport, cher au baron Pierre de Coubertin, ont encore de beaux jours devant elles. Massine est un peu à côté de ses pompes, et l'Argentin Canidia a fini par se lasser. Tiens, à propos de lasser, attends, ils vont faire au vestiaire. Hé, amène-moi tes papiers, t'inquiète. Mais tout de suite, bienvenue à Santiago pour un combat qui s'annonce superbe et loyal. Ah, ça sent déjà un petit peu le chaos. Et oui, un superbe crochet gauche, il est au tapis, c'est terminé. Dès la première reprise, j'ai de l'éponge. Coup de tête, hein, un coup de tête. Ah, ça sentait le combat difficile. Et à l'arrivée, un match gagnant au moins d'une minute 15, c'est encore plus rapide que chez Mike Tyson. We'll be right back.
Et puis d'abord, tout ça, c'est rien qu'à la faute à l'arbitre. Coupe du monde 1982, France-Koweït, comme si vous y étiez. J'essaie de conserver le ballon et ils vont essayer de trouver l'ouverture quand elle va se présenter. La voici avec la courbe, il n'y a pas en jeu. Et, voilà. Et but de Zirès, pardon, but de Bernard Zirès. On ne s'y attendait pas, tout le monde est resté au ralenti. Voilà Alain Zirès qui a marqué le quatrième but français. Et il y a protestation de la part des Koweïtiens là qui... Je ne vois pas s'ils peuvent réclamer. Ils réclament peut-être hors jeu. Ah, et les Koweïtiens, semble-t-il, prétexte qu'il y a eu un coup de sifflet dans les tribunes, c'est ce que nous dit Patrick Battiston. Ça, c'est vrai. Et le frère de l'émir, qui est le président de l'équipe. L'émir qui demain, mais de son équipe, quitte le terrain. Quitte le terrain, dit le Cheikh Fahd Al-Ahmad Al-Yaber Al-Sabah. Frère de l'émir, président du Koweït Football Association. L'arbitre qui se dirige maintenant vers ce juge de touche pour savoir s'il a signalé en jeu. Et là, je peux vous dire, parce que je regardais, il n'a absolument pas signalé en jeu. Et d'ailleurs, Alain Giret, ce n'était pas en jeu. Ce serait le premier incident grave, sérieux, dans cette Coupe du Monde. Et le chèque qui est suivi par les caméras s'en va. Et il n'est pas content. Incident diplomatique. Toute proportion gardée. Incident diplomatique au niveau du monde du football. Le chèque qui descend sur le terrain et qui va demander à ses joueurs, à ses tout à fait insolites comme démarre. C'est absolument anormal aussi parce que en dehors de l'entraîneur et des gens qui sont sur le banc de touche, personne n'a le droit d'entrer sur le terrain. Je crois que c'est la première fois que nous le voyons. Que l'on soit chèque ou pas. Et notamment lors d'une Coupe du Monde. Voilà, il repart. Et il applaudit de façon ironique. Oh la bagarre. Sur le terrain, on a failli avoir une bagarre sur le terrain. À mon avis, la fin du match va être extrêmement difficile. Et l'arbitre qui revient sur sa décision, ce qui est absolument anormal. C'est un scandale. C'est un scandale parce que s'il suffit qu'un président de fédération descende sur la pelouse pour faire changer d'avis à l'arbitre, ouais, alors oui. Maintenant c'est les Français qui vont se plaindre. Hidalgo qui est rentré sur le terrain va provoquer un incident. La caméra ne le suit pas. Hidalgo est repoussé par les forces de police. Voici les images. Je comprends sa colère. Cette fin de match est scandaleuse. Décision scandaleuse de l'arbitre soviétique. Ceci vient de se passer sous nos yeux est inadmissible. Et la France ne mène que par 3 buts à 1. Si jamais ça se joue au Golavérage à l'arrivée, c'est à désespérer de tout et à n'avoir plus confiance en ceux qui dirigent le football. Et je crains que ce match se termine mal. Après cet épisode lamentable où l'arbitre eut franchement tort de revenir sur sa décision, en voici un autre où il aurait mieux fait de revenir. Padilla. The chance here for Borja. Another chance, and that's the deal, I think it is. He's put it in. Borja had the chance and missed it. Un coup franc manifeste pour le Salvador et contre les Mexicains. Mais Pérez, l'odieux attaquant mexicain, se précipite et exploite la crédulité de l'arbitre. Il tire pour lui-même tout le profit de ses coups de sifflet. C'est un but scandaleux, c'est un scandale parfaitement réactionnaire. Et la juste résistance du peuple salvadorien n'y pourra rien changer. Ensuite, c'est n'importe quoi, c'est quand on se friction. Délibération, protestation, à tout de suite. Alors, bande de petits salopards, on cherche des volontaires pour un carton jaune. Moi, monsieur, moi. Moi. Ah non, moi monsieur. Moi. Allez-y, faites les malins, j'ai les noms des meneurs. Allez-y. Alors, c'est pas vrai ça. J'ai arrêté de faire les andouilles, oui. Hein? Bon, écoutez, puisque c'est comme ça, vous l'aurez bien cherché. Allez hop, tout le monde au vestiaire, mi-temps, j'en ai marre, tout le monde dehors, et dégage. Attends, je te dis. Dans le genre inflexible, rappelons également Monsieur Thomas, arbitre gallois du match Brésil-Suède de 78. Un partout à la dernière minute. Et attention, tendez bien l'oreille. But ? Non. Refusé à l'ultime seconde, le coup de sifflet ayant été donné juste sur la frappe du Brésilien, un poil avant le coup de tête.
Décision parfaitement valable au plan du règlement, beaucoup plus critiquable du point de vue de l'esprit du jeu. Chronomètre, je suis habillé en noir, j'ai un gros sifflet à la bouche et deux cartons dans la poche. En toutes circonstances, je fais partie du jeu, même quand je sème la pagaille sur le terrain. Je suis indispensable au bon déroulement du jeu, je suis... Le ballon ? Non, vous perdez la main. Ah, en toutes circonstances, qu'il intercepte la balle ou même carrément le joueur, y compris au niveau de la Coupe du Monde, je crois que l'arbitre, il fait partie du jeu, quoi. Ah putain, mon dentier ! Vous avez pas vu mon dentier ? Ah, je l'ai pas avalé quand même. No problem. Ouais, ton dentier, tu mets de la colle, il tiendra mieux. J'aperçois les chaussettes de l'arbitre là-haut. Oh, tu saignes du nez, frère. Fais voir. C'est tout neuf. T'as une carie. Gagné au juste. Là, tu vois, t'as une carie, là. T'as bouge pas. T'as une carie. Mais non, mais attendez, je vais l'enlever. T'as pas une brosse là-dedans? Ça ne voit pas trop. Oh, merci, hein. Les gars, je saurais m'en souvenir. Non seulement l'arbitre jette l'action, mais en plus, il est susceptible. Sur la course de l'anglais Mariner, il lui colle un carton pas piqué des gaufrettes. Allez, pousse-toi, papy. Attends, toi, je te reconnais, t'as piqué le dentier à mon pote. Cette fois, je te tiens, je vais pas te louper. Ah, là, c'est plus un métier, hein. Le gars, il va s'en prendre une dans la gueule. Bah, il siffle un pénalty, le gars. Moi, je dis que pour siffler un pénalty dans un cas pareil, bah, faut avoir les bobelles sacrément bien accrochées, tu vois. Non, non, c'est trop tard. Votre dentier, j'en veux pas. Fallait y penser avant. Mais il va pas nous lâcher avec son dentier. Si ça continue, c'est le sifflet qu'on va te faire avaler, corbeau. Oui, c'est dur. Il faut se faire traiter de nom d'oiseau pour un salaire de misère. Mais heureusement, on trouve parfois certaines compensations. Alors, mes bien chers frères, soyez indulgents, car il n'est certes pas facile tous les jours le rôle de l'arbitre. Je m'en fous. La prochaine fois, les lentiers, j'en prends deux. En direct du banc de touche se joue une autre compétition extrêmement serrée, car ne l'oublions pas, le footballeur en toutes circonstances reste un homme de goût. Tout en lui respire l'élégance. Coup d'œil dans le rétro, voici notre rubrique. Si tu sors comme ça, je te tripe. Tendance afro à la bavaroise, un must des années 70. Quelle élégance, encore un coup, oh quelle élégance. Alors la même version, Tintin, hein, version brésilienne, ou peut-être est-ce Robert Charlebois, hein. Alors pour l'hiver, un balai au cédar plus chaud qu'un bonnet de laine est tellement plus élégant. Dans les années 80, on préfère la permanente, mais notez aussi le t-shirt serré sur la peau. Et ce Charlie Nicolas, quel bel homme, avec son survêtement en amiante, très court également. Carton jaune pour Rudy Voleur. C'est vrai, question brushing, c'était pas ça du tout. Allez, dehors. Dehors. Et pour ton brushing, j'ai ce qu'il faut. Tiens, il y a du gel. Hein? L'équipement du joueur, une harmonie toujours irréprochable. Les gardiens ne sont pas en reste. Ici, Steskal, le Norvégien, qui décore ses maillots lui-même avec une boîte de crayon feutre à l'aide de son petit garçon de 3 ans. Faut bien le dire, les managers, eux non plus, n'y vont pas de main morte, hein. Qui choisissent le costume pas de def, hein. Comme l'entraîneur mexicain.
Ou comme celui du Zaïre, le survêtement cintré à portée très près du corps, d'un vert léger tout en pastel et en nuance. Notre revue des moments bizarres de l'histoire du mondial demeurerait bien incomplète si nous ne nous arrêtions quelques instants sur l'équipe du Zaïre de 1974. De mémoire de pelouse, jamais sans doute on avait vu cela. Autant le dire, ce fut la plus mauvaise équipe qui ait jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde. Contre l'Écosse, premier exemple de la terrible rigueur défensive africaine. Continuez les gars, continuez, hein, on change rien. Hein. Néanmoins, sur ce coup franc, on sent que les défenseurs ont travaillé très dur à l'entraînement. Une organisation défensive rigoureuse, c'est bien connu, est la base de toute rencontre sportive digne de ce nom. Sans parler d'une bonne connaissance des règlements. Bon, alors on a dit 9m15, c'est là 9m15, alors vous voulez tous ici, allez tout le monde dehors là, allez voilà, voilà, vous êtes prêts, voilà très bien. Hugues, ce qui va, l'autre là-bas, Abriti, remets-toi avec les autres. C'est pas vrai, tu me cherches toi, bon, vous êtes prêts, je siffle, on y va. Mais qu'est-ce qui me foutu un bordel pareil, allez revenez à votre place vous là-bas, c'est quand j'ai sifflé, pas avant. Top, 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 top. Finalement, pas trop mal joué sur ce coup-là, mais il faut rencontrer la Yougoslavie, une autre paire de manches. À 0 après 20 minutes de jeu. L'entraîneur fait alors un changement qui s'avérera essentiel. Il sort son gardien et fait confiance au remplaçant, Tubilando. Il faut bien dire que le premier goal n'a pas arrêté le moindre ballon depuis le début du match. Et de 4, l'arrivée de ce remplaçant a fait beaucoup de bien. Il faut dire que les Yougoslaves ont une recette miracle, la couverture magique, implacable. Oh là là, oh j'ai mal, puis j'ai froid, j'ai mal, j'ai des vertiges. Oh là, j'ai mal, même sous le bras, j'ai mal, enfin là, j'ai mal. Hein, quoi? Si tu te relèves, je te file un j'ai mal, j'ai... Oh, ça va bien, je sais. Tout de même à la mi-temps, mais ils peuvent mieux faire. Score final 9-0. Après cette humiliation, on craindra un instant que l'équipe zaïroise renonce à jouer sa troisième rencontre contre le Brésil. Finalement, il n'en sera rien et au fond, heureusement, car ce troisième match procurera l'une des péripéties les plus étranges de toute l'histoire de la Coupe du Monde. Coup franc concédé à une vingtaine de mètres, le mur se place, mais bien sûr, on discute. Bon, cette fois, s'il vous plaît, ne bougez pas. Coup de sifflet et pour Ilunga Muepu, la tentation est trop forte. Ah quoi? Bah quoi? Quel est le problème? Bah vous m'avez dit quand je siffle, faut tirer où est le match? J'ai tiré? Pour les récompenser, retour au pays en charter. Et après, le président zaïrois retire à ses joueurs les voitures et les maisons qu'il leur avait offert pour s'être qualifié. Alors, Zaïre, la pire équipe du monde? En guise de consolation et pour conclure, nous avons bâti la seule équipe capable de rivaliser avec celle-ci et qui sait, de faire encore pire. Une sorte de dream team de l'horreur. Un rassemblement de gaffeurs qui en remontrerait même aux Zaïrois.
Oh putain, c'est génial, on va bien rigoler. On se prend la gueule, ça va être super. Dans les buts, un seul nom s'impose, Quiroga, le seul gardien capable de flanquer des cauchemars à Franz Beckenbauer en personne. En défense centrale, la charnière bulgare de 66, Davidov et Vuzov, une entente remarquable. C'est génial, c'est génial. Sur l'aile, le célèbre soviétique Tchokeli. Et pour faire bonne mesure, le péruvien Goriti, d'une sérénité à toute épreuve. Oh, c'est vraiment génial. Il est con. Devant, un milieu de terrain hyper technique avec l'allemand Brigel. Le tchèque Chaloupka, un monstre d'opportunisme. Ces deux-là étant soutenus par le chilien Bon Valet à la frappe redoutable. Et sur l'aile, un relanceur de la trempe de Jesper Olsen devrait s'imposer aisément. Enfin, pour compléter le tableau, manque deux attaquants. Alors pourquoi pas Zarmak ? Et Jean-Pierre Papin, immortalisé sur cette action. Et pour entraîner cette équipe de rêve, un nom s'impose naturellement. Blagojev Vidinic, coach du Zaïre en 1974. En résumé, une sacrée brochette pour perdre la boule.